Et salut les amis, c'est Rico, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, moi je vais très bien quoi, tu vois. Oh les gars, vous savez quoi, vous imaginez même pas à quel point là je suis heureux quoi. Je suis complètement fou dans ma tête. Comme vous savez les potes, sur ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de GTRP en ce moment, j'adore ça, je kiffe de ouf. Et pour ma part, je pense que vous kiffez aussi l'aventure de Boris, hein. Boris, la petite racaille, le petit voyou. Quoi qu'il en soit, on va dire que Boris, c'est, disons, une part de ma chaîne. Et comme vous savez, j'ai voulu, en fait... Enfin non, vous le savez pas, je suis con. Enfin bref, je vais vous le dire. En fait, si vous voulez, j'ai envie d'un peu de diversifier sur ma chaîne YouTube les choses qui se passent. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Enfin bref, tu m'as compris. On va pas jouer sur les mots, toi et moi, hein. Enfin bref, en fait, si vous voulez, les potes, je me suis commandé un petit bijou de technologie, histoire de vous montrer plusieurs choses. Et en fait, si vous voulez, j'ai acheté un appareil photo réflexe, à savoir qui filme en 4K. Je vais vous le présenter tout de suite, les potes, histoire de faire les choses bien, tu vois. Voilà, je suis tellement content que j'arrive même plus à parler, frère. Mais what the fuck? Bref, les potes, tout de suite, la petite présentation. C'est pas beau, regarde-moi ça, mon pote, regarde-moi ça. Putain, les gars, mais je suis tellement content, les mecs, je l'ai enfin eu. Putain, les gars, mais c'est tellement beau, on va l'ouvrir ensemble, quoi. Je vais aller le chercher. En plus, j'attends encore un micro, je vais le recevoir là bientôt. Un petit micro, histoire de le brancher sur l'appareil photo, tu vois. Et de vous faire des putains de vlogs, sa mère. En plus, j'ai tellement de projets de ouf, les gars, vous imaginez même pas, là. Sûrement même ce soir. Ce soir ou demain, les mecs. Ah, putain. Donc, les mecs. Ça, on sait ce que c'est, hein. Le petit packaging des familles, avec toutes les, on va dire, la configuration, comment configurer l'appareil. On a le petit guide rapide. Voilà, le petit guide rapide des familles. Il est juste ici, voilà, le petit guide rapide pour photo 4K, quoi. Putain, on va faire des photos 4K, mec. Mais je suis tellement happy, mec. C'est quoi, ça? Mec, est-ce que vous comprenez une seule phrase de ce qu'ils mettent, là? What the fuck? Je comprends, hop. Ensuite, on a quoi? On a toujours des papiers. On va ouvrir. Bon, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est? Oh, ah oui, ça c'est le petit cache pour cacher l'optique de l'appareil photo. Ok. Nice. Parfait. On va mettre ça de côté. Ah, je vous montre quand même, attendez. Oh. Bon, c'est un petit cache, ça bat les steaks, mais vous m'avez compris, quoi. Ah oui, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi comme appareil photo? C'est un Panasonic Lumix FZ300. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai pris celui-là. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le petit câble USB, voilà. Au calme, mon frère, au calme, quoi. On a le petit, je crois que c'est un cache soleil, je sais pas quoi. Bref, tu m'as compris, voilà. Hein? Il est mignon, il est tout beau. Voilà. Il va bien me servir parce qu'il va bien cacher le reflet du soleil. Ça, c'est le chargeur à batteritos. Air batteritos, on va le déballos. Allez, hop. Déballons ça. Voilà. Il est tout beau, il est tout neuf. Ça... Ah, les gars, ça sent le neuf. Ça sent le neuf, quoi. Bon, on a le câble, ok, hein, voilà, tip top, on s'en bat les steaks, on met ça de côté. On a la petite sangle qui va être très utile. Ah oui, va être très utile. Et bien entendu, nous avons la petite batterie. Et oui, d'ailleurs, faudra que je m'en rachète une deuxième parce que je pense qu'une batterie, c'est chaud. Bref, ok, les mecs, je pense que nous avons fait le tour. Mais maintenant, il reste... La pièce principale, le bébé, la bête. Oh mon dieu, oh mon dieu. Il est juste là entre mes mains, il est juste là. Il est juste là. Putain, est-ce que vous voulez que je vous le déballe devant vous? Est-ce que vous voulez le voir? Oh my god. Oh my godness. Oh my godness. Only shit, motherfucker. Oh là là, les mecs, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais c'est trop. Et là, bien entendu, il va y avoir le petit micro qui va arriver bientôt. Il va être branché. Oh my god! Oh my god, les gars! Mais, oh les gars! Oh là 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 là. Bon, maintenant les potes, suffit la bêtise. Hein? La bêtise, man, quoi. La bêtise!
Maintenant, on va mettre ça. Donc, en gros, ça, en gros, si je comprends bien, tu le mets là-dessus. Au calme. Ça. Oh, putain, les mecs. Bon, on va mettre la batterie dedans. Je sais pas si elle est chargée. Mais je pense qu'elle doit être chargée un petit peu, quoi. En fait, les potes, si j'ai pris principalement celui-là déjà de 1, c'est qu'en plus, les vidéos, on peut les configurer en 4K. Et ce qui est bien, la particularité de cet appareil, c'est qu'en fait, si vous voulez, on a le petit écran retractable, enfin rétractable, pardon. Ça veut dire on peut le mettre comme on veut, où on veut, n'importe quelle heure qu'on veut. Hop, maintenant, on peut faire ça, hop, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, l'écran, il est tactile. Donc, du coup, pour configurer, paramétrer ou autre, c'est vachement utile comparé aux autres appareils photo. On doit se faire chier à appuyer sur les boutons comme des guignolos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas mal. Ah oui, bien entendu, j'ai acheté la petite mémoire SD. Et si je dis pas de bêtises, j'ai une deuxième mémoire SD. Ça veut dire que j'ai deux fois 32 gigas, donc en tout 64 gigas. Je vais mettre la petite batteritos. Oh my god, oh my goodness. Je mets la mémoire SDTOS. La mémoire SDTOS, elle se met comme ceci. Et ça doit faire. Maintenant, nous allons l'allumer. Please. Alors, bon, je vais regarder où c'est quoi. Je sais pas comment je vais faire. En fait, là, si vous voulez, ils me disent play select language. Donc, bien entendu, sachant que je connais un petit peu l'anglais, je vais pas forcément mettre l'anglais. Je suis français, d'accord. Donc, je vais mettre français. Voilà. Régler l'heure. Quelle heure il est? Il est exactement 10h37. Donc nous allons mettre 10h37. Nous sommes le combien? Nous sommes le 11, il me semble. Nous sommes le 11 juin 2018. Ok. Et n'empêche, pour un appareil photo réflexe, je veux dire, en fait, si vous voulez, c'est il n'y a pas de comment ça s'appelle vous savez, les bordels là qu'on met sur les appareils photo là, comment ça s'appelle? Voilà les potes, le petit bijou de technologie. Oh mon dieu, c'est trop beau. Bonjour, je m'appelle l'appareil photo Lumix, j'appartiens à Erico et je vais vous faire plein de photos et de vidéos. Voilà les gars, donc du coup, ceci va être mon appareil photo qui va m'accompagner tout au long de mon histoire sur YouTube, d'accord. Je vais pas changer, il sert à rien, il fait du 4K. Il fait de très bonnes photos et vidéos, je le sais très bien parce que j'ai eu l'occasion de le tester. Il m'a coûté 460 balles, d'accord. Si, pour ceux qui s'intéressent, qui cherchent un appareil photo, moi je vous conseille celui-là pour commencer sur YouTube. Honnêtement les gars, vous allez kiffer, il fera vraiment de très bonnes qualités photo et vidéo. À savoir que cet appareil, je l'ai reçu donc aujourd'hui. Je vais faire des vlogs avec. Je vais même en faire un peut-être ce soir ou demain. Je sais pas trop encore. Oh. Oh. Mec. Ça, c'est trop beau. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe de ouf. Quoi qu'il en soit, les potes, je disais donc... C'est un appareil, c'est pas un appareil, c'est un appareil entre bas de gamme et haut de gamme, d'accord. J'ai vu de très bons avis positifs sur cet appareil. Je vous le conseille, honnêtement, je vous le conseille. Il est vraiment super, voilà, il est vraiment tip top. A savoir aussi que j'ai acheté ça, d'accord. Ah ça, ça va être ça, c'est cool ça. Attendez, je vais essayer de le mettre, je vais vous montrer à peu près comment que ça fait. Ok, voilà, voilà ce que ça donne. A savoir que bon, moi le micro, vu que je sais pas s'il va rentrer... D'accord, donc ce qui est bien, c'est que je peux mettre... En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que je peux mettre des accessoires. Attendez, ce qui est bien, c'est que je peux mettre des accessoires par rapport à ça. Je vais mettre une lampe là, je vais mettre peut-être le micro ici. Ou bien je vais mettre le micro là, la lampe là. Et ici, je vais acheter un adaptateur pour permettre de mettre le téléphone. Ce qui est bien avec cet appareil photo, c'est qu'en fait, vous pouvez connecter directement votre téléphone via l'application Panasonic, histoire de savoir en fait... qui est une connexion Wi-Fi Bluetooth qui permet de voir ce qu'on filme directement. Et ça, c'est vachement cool et c'est vachement intéressant. Ça va grave me servir. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Maintenant, il ne me manque plus que le micro. Je vais le recevoir là bientôt, dans la journée. Ça va être au top. Quoi qu'il en soit, les potes, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était vraiment une petite vidéo vlog aujourd'hui, d'accord. Je pense pas qu'il y aura de GTA aujourd'hui. Les amis,
il faut que je vous dise quelque chose de très important. Comme vous le savez, je suis sur YouTube, ça va faire un ou deux mois, d'accord ? À savoir que je fais mes vidéos tous les jours. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube parce que c'est grâce à vous. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Et aussi, je vous invite, les amis, à me rejoindre sur Twitter. Mon Twitter, il est indiqué sous la description. N'hésitez vraiment pas à me rejoindre parce que je mets énormément de trucs sur mon Twitter. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont sur ma page, qui sont juste de passage, qui regardent mes vidéos. C'est pas grave, les potes. Moi, je vous dis honnêtement, merci d'être passé sur ma chaîne. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'honnêtement, c'est grâce à vous que ça me donne la motivation de continuer. Je vais pas vous mentir, hein. J'allais pas claquer 500 balles pour un appareil photo juste parce que ça me fait kiffer. Hein, on est d'accord? Non, c'est juste parce que voilà, on est de plus en plus nombreux. J'ai envie de diversifier les choses sur ma chaîne. Je sais que voilà, vous kiffez mes vidéos, il y a du bon contenu, je reçois beaucoup de retours positifs, d'accord? Je dis pas ça pour me la vanter, hein, honnêtement, hein, c'est vous qui me le dites, hein, je regarde tous vos commentaires et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, les potes, c'était. Je parlais trop, je suis trop émoustillé là. Putain, les mecs, je suis content. Franchement, je suis content. Bref, les potes, je vous fais des bisous. On se dit à très bientôt, c'était Rico. Peace.